Salut à tous, c'est Pang de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer de parler des mots, des verbes et en l'occurrence là je sors d'un petit papotage qu'il y avait sur le groupe Pukemi et en l'occurrence on a parlé un, un petit peu à un moment de, des sémantiques qui sont exploitées, on était en train de parler euh, de euh, l'adoption potentielle dans la constitution euh, du droit à l'IVG et euh, de la complexité des sémantiques juridiques pour nous certaines notions qu'on n'a pas suffisamment et donc qui, qui restent assez difficiles à capter et comprendre dans, euh, dans, le, dans ce cadre-là qui semblerait assez simple pour nous citoyens et qui au bout du compte sont plus complexes que ça parce que c'est des mots qu'on utilise nous dans un sens, dans le sens commun et le sens juridique n'est pas le même. Et puis de fil en aiguille, on est revenu sur les mots. Euh, et ce que je vous disais la dernière fois, une des difficultés qui peut y avoir, c'est de pouvoir aujourd'hui sur un contenu comme youtube, tiktok, instagram, etc., d'utiliser les mots pour les mots. c'est-à-dire je reprends le mot viol. vous savez à quel point ce mot il est puissant, il est impactant, il est douloureux, il est... il y a des gens qui sont en pure souffrance à cause de, de ces gestes et de ces actes là. et pour autant, une chaîne comme youtube, si elle est monétisée, si la vidéo est monétisée, donc si la personne qui a le plus d'influence, gros influenceur qui a une grosse communauté, veut parler de ça, et donc toucher son, son, son auditoire, il ne va pas pouvoir, dans son titre, mettre le mot viol. Il ne va pas non plus, peut-être, pouvoir le prononcer si facilement que ça. Je ne sais plus, je crois qu'il y a 30 secondes ou une minute où il n'y a pas le droit d'avoir d'insultes ou autre. Alors je comprends, il hein. ne faut pas non plus que ce soit un dépotoir d'insultes, de haine, etc. Mais si on ne prononce pas le mot, il se passe quoi bah, Il n'existe pas. Ça n'empêche pas que l'acte, il existe. Et ce que je leur disais, j'étais hyper étonné sur des. Je ne sais pas si c'était des. c'était pas une traîne, c'était vraiment sur des vidéos TikTok. À plusieurs reprises, j'ai entendu des jeunes femmes, pour éviter, j'imagine, de se faire démonétiser sur leurs vidéos, parler de viol en disant le V-word. Et où. V... Sans jamais rien dire derrière. Ça peut sembler anodin parce que vous allez vous dire :« Attends, je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Elle n'a pas besoin de le prononcer, je sais. » Et ce que on échangeait là, il y a quelques minutes, c'est que le problème, c'est que si on n'enseigne pas, si on, on ne donne pas aux gens, aux enfants en l'occurrence, la possibilité de nommer le viol, de comprendre le viol. Alors bien sûr, quand on est enfant, c'est compliqué euh, d'expliquer ce que c'est. Encore que des formes pédagogiques et tout peuvent le permettre. Et la compréhension de ce que ça peut être peut être aisée, relativement aisée, à un certain âge, pas quand ils sont tout petits. Mais si tu dis, bon, on va parler de ce V-word, qu'on ne va pas du tout prononcer le mot viol, que dès lors, on ne prend pas le temps de définir ce qu'est un viol, on va avoir peut-être des enfants qui eux-mêmes ont été abusés qui ne vont pas pouvoir prononcer le mot, exprimer cette idée, peut-être même donner des indices par rapport à cette notion-là, parce que ce n'est pas si simple que ça de l'admettre. On le voit avec la libération de la parole actuelle. À partir du moment où il va être difficile de savoir si, parce que tu es sous influence, parce que tu ne sais pas prononcer ces mots-là, parce que c'est tabou de les prononcer. Et n'oubliez pas, cette notion de dire à longueur de temps, mais attends, tu fais du contenu, tu n'as pas le droit de le mettre, tu n'as pas le droit de l'écrire, même tu ne sais plus peut-être l'écrire, alors viol, si, tu sais certainement, mais peut-être d'autres mots, d'autres éléments. S'il n'y a plus de prononciation, comment tu crées la réalisation et la réalité Si toi-même, tu te rends tabou dans ton expression écrite et ou orale via une vidéo, à en parler, on a cette chance d'avoir cette libération de la parole au travers des violences et des abus sexuels, entre autres on va dire des abus de pouvoir, de force de puissance sur des personnes qui, à un moment donné, sont dans des états où ils ne peuvent pas se protéger, où euh, bah, ils sont écrasés, ils sont euh, complètement euh, oui, assiégés par l'autre. J'entendais encore tout à l'heure un truc sur DSK. Avant d'admettre que DSK ait fait quelque chose, 90% des gens ont nié. C'est flippant. Donc, dire à un moment donné, ok, il s'est passé des choses. T'es enfant ou, je, ou jeune ado, quoi, qui commence à être ado. Et que tu n'es pas capable de dire, oui, mais c'était que des jeux. Oui, mais c'était qu'un échange, oui, mais il n'y avait rien de méchant. Parce que en fait, tu pas compris le mot viol, parce que tu ne le prononces pas, parce qu'on ne te l'a pas prononcé, parce qu'on ne te l'a pas partagé. Alors bien sûr, tu vas pas apprendre ça à un enfant de 4 ans. Bien sûr que là encore, c'est dans les, les cheminements pédagogique qu'il est important de faire comprendre les choses. C'est pour ça que c'est intéressant de dire attention, attention. Il y a des actes faits par des personnes, c'est pas normal. Et bien sûr que les enfants savent l'utiliser. Il y a même des enfants qui menacent à dire si tu fais ça, euh, je vais dire que tu as fait quelque chose, tu m'as touché. Mais là encore parfois sans même avoir conscience de l'impact de ce que peut être le viol. Rendre ta des mots, c'est embêtant, c'est vraiment ennuyant. Et pour une génération qui parle, à quoi, qui extreme, exprime plutôt via la vidéo, si dans les vidéos, ils ne peuvent pas en parler et qui à chaque fois, eux-mêmes, ils se censurent, à court, moyen, long terme, bah on va retourner sur la problématique qu'on a là avec des remarques à la con. Oui, pourquoi elle ne l'a pas dit à y 15 ans bah, Peut-être que te rendre compte qu'en réalité, ce que tu as vécu est un viol un abus, alors que tu as pu te faire bon déjà le zapper, tenter de le zapper parce que ça t'a traumatisé, parce que tu as peut-être rationalisé, parce que tu as essayé de trouver des excuses par rapport à tout ça, c'est complexe. Si le mot, tu n'as pas le droit de le prononcer, de le voir ou de l'entendre, comment tu vas le formaliser Et quand tu vas le formaliser, le temps que tu commences à admettre que réellement, avec, on sait tout ce qui peut se passer avec les souvenirs de dire attends peut-être que je dis une connerie peut-être que c'est vrai mais en fait qu'est-ce que c'est ce que c'était juste euh, euh, de l'attention est-ce que c'était un truc malsain est-ce que en fait ça a été sexualisé est-ce que j'ai été sexualisé est-ce que j'étais objetisé est-ce qu'il s'est passé quelque chose de plus ce temps-là et on le voit nous en thérapie on le voit en accompagnement l'émergence parfois de se dire Wow, je crois qu'il s'est passé un truc je ressens dans mon corps un stress et tout. On peut même pas valider que c'est vrai ou pas. N'oubliez pas, hein, pour les personnes qui font de l'hypnose, les régressions à la cause ne veulent pas dire que ce que la personne est en train de vivre à ce moment-là dans la régression est la réalité, la vérité. Ça peut être une restructuration psychique des choses. En tout cas, nous, on reste sur le principe de je ne peux pas te valider les choses. Néanmoins, on voit ce qui se passe. On voit quand d'un coup, il y a des émergences à faire. Je crois qu'il s'est passé quelque chose, je suis pas à l'aise, mon corps est figé. Dès que je, je, je repense à cette personne-là, ou à ce moment-là, Là, il se passe quelque chose, mon corps est en train de transpirer, je suis pas bien, je, 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 je suis dans un malaise, on se rend compte que la reconscientisation, puis nommer, le pouvoir se passe par le verbe, le mot, le nommer. C'est pour ça aussi que dans des, des analyses, qu'elles soient hypnoanalyses, psychoanalyses, etc., etc., la possibilité à un moment de verbaliser, même en TCC, on va l'avoir. Hein, dire ah, j'arrive à le prononcer c'est commencer à se libérer d'eux et surtout pour les gars qui les gars ou les femmes hein, qui à un moment donné ont abusé d'être confrontés oui on sait qu'il y a des délais il y a des délais tout ça ok mais ne serait-ce que confrontés il y a des personnes qui se battent sur des années pour dire mais attention hein, dans la famille on a eu des personnes qui n'étaient pas clean on a eu des personnes qui ont fait du mal à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à, à, à des personnes. Et la famille a du mal à accepter. Pourtant, une, deux, trois personnes, trois membres de la famille peuvent même l'exprimer. Et au bout d'un moment, c'est parce que les gens arrivent à entendre, putain, mais en fait, c'est un viol. Putain, c'est une agression sexuelle. C'est quelque chose qui fait mal. Que peut-être on va considérer que la personne qu'on trouvait bien, super, sympa, pourtant, qui était très proche des enfants, bah, elle n'est pas si bien que ça. Et à un moment possiblement réussir à se dire, putain, on va le confronter alors que ça fait 20 ans que je vis avec ça, etc. etc. On prononcer le mot, oser le mot. Et malheureusement, à cause d'un, alors j'exagère, mais d'un excès de volonté capitalistique, on va dire, de faire du, de l'argent, ça va nous faire peut-être perdre la possibilité d'une expression et la possibilité d'exploitation d'une de, libération de la parole qu'on a actuellement. Parce qu'on va s'autocensurer et donc revenir dans l'élément avant la libération, c'est-à-dire la censure la non-verbalisation, donc la non-réalité, parce que personne ne le sera, et personne n'aura ce mot-là. J'exagère hein, bien sûr, je généralise, mais... Et dès lors, bah, il va manquer l'expression pour la personne, la libération par rapport à ça, et la confrontation, et peut-être même le jugement, dans le cadre juridique, comme, comme le disait sur un commentaire l'un d'entre vous, c'est un crime. Si vous avez des questions ou des remarques sur le sujet, je trouve c'est vraiment important et intéressant. N'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, ciao!